sais qu'il va se prendre un grain juste pour franchir. La passe là. On est abonné quoi, franchement. Le vent se lève, face à nous. Et là, franchement, le passage il paraît large, hein, mais en fait, la partie où il y a du fond, elle est pas large du tout. Non, non, on s'est pas échoué. Mais quand même, il nous dit qu'on est passé sur l'estran, quoi. Non, sur la terre, même. Sur la terre. En haute Founzi, là. Ah ouais, en haute Founzi, on est passé sur la terre. Oh, notre bateau, il roule. Oh, c'est génial. Devant l'impossibilité de passer par la passe que l'on souhaitait, nous décidons de faire notre sortie de territoire à Tcheke Tcheke, toujours sur Pemba. Et nous arriverons peut-être à passer par Tanga, nous verrons. Mais nous avons un comité d'accueil en arrivant. La brigade anti-contrebande, cherchez l'erreur. Voilà, ils sont encore là, et vu qu'ils parlent pas anglais, et ben du coup c'est tout par traduction, et ça prend du temps, pour tout par Google Traduction, voilà. C'est l'équipe anti-contrebande. Et visiblement, comme je vois Fred un peu tendu, je pense que ça se passe pas si bien que ça. Bon, ça fait une heure qu'ils sont là, nos potes. On a appelé notre super contact à Dar es Salaam à l'immigration qui leur a expliqué pourquoi on était là parce qu'ils comprennent strictement rien vu qu'ils parlent pas anglais. Et voilà, on est à la plage. Blue Wave est juste là-bas au fond et on attend l'immigration qui doit venir. Alors voilà, ils nous ont dit venez avec nous et nous on leur a dit qu'on les suivait en annexe histoire de ne pas être séquestrés ici pour pouvoir repartir comme on veut. Donc là on attend l'immigration qui doit venir de Tcheke Tcheke. Donc je pense qu'on peut, chercher des coquillages pendant un petit moment, parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Bon bah voilà, il y avait le repas de ce soir qui était prêt. Bon bah voilà, maintenant je ramasse tout ça. Djoula, t'as faim? Bon, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Ah, c'est les premiers jours, il faut qu'on se cale un peu. Je suis en train de faire à manger ma petite Charlotte face à la mer. Chouette. Et voilà mon repas de midi. Bon, je sais, ça paraît gros comme ça. Mais franchement, après une nuit blanche, j'ai monstre faim. On va se régaler. Notre bateau est un avion de chasse. Non, je dis que c'est con. Vraiment, c'est sinueux. Il y a 8 nœuds de vent. Voilà Kenya! Youhou! Demain, on sera au Kenya, Charlotte. Eh ben, moi, je vois la mer du Kenya et les montagnes du Kenya. Ouais. On voit les montagnes du Kenya là-bas. C'est trop bien. C'est beau ce soir, hein. Je suis un peu secouée comme des cocotiers. On est dehors avec Charlotte parce que. Petit réveil devant Kilifi, le Kenya qui est juste devant. On y arrive tout doucement. Bon, cette nuit on a pété le chargeur de l'iPad. Et du coup il cherche plus, c'est cassé, parce qu'il est tombé par terre avec un gros coup de vague. Donc du coup notre traceur fétiche Weather 4D qui est super, et ben là on le met en stand-by pour la passe, enfin pour la passe, pour le passage du pont. Et il nous reste lui. Mais lui il nous met pas notre direction réelle, c'est un peu relou avec le courant, donc c'est pas aussi précis.
On se rend pas bien compte sur la vidéo, mais il y a de la vague. On rentre dans la passe là de Kilifi. Ça y est, on est arrivé à Kilifi. On attendait la marée basse pour passer le pont. Le pont qui est à 22 mètres et nous faisons 19 mètres de surrender. C'est impressionnant, hein, vous allez voir. On se demande comment ça passe. Il faut passer sous la ligne électrique sur la gauche et ensuite revenir au centre de la rivière pour passer le pont. Maintenant, le pont. Un grand merci à Peter qui nous aide pour la manœuvre. Ça fait un peu peur, ouais. Et ça passe pas là, si ? Oh. Nous sommes au mouillage devant le Kilifi Botia, un endroit chaleureux, accueillant et idéal pour faire des travaux sur le bateau. Pour les navigateurs, nous vous mettons le lien en commentaire. Nous avons un mois et demi pour préparer le bateau à la grande navigation jusqu'à Suez et la Méditerranée. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La suite, la semaine prochaine !